Bonjour Didier. Bonjour Patrick. Alors Didier, on est où ici ? Eh bien là on est à La Selle, donc toujours dans la Nièvre. On est parti voir un bassin paysager. Alors on est ici chez Vincent. Oui, enchanté, bonjour. Alors Vincent, toi tu es paysagiste ? Voilà, ouais, depuis 8 ans et je me développe de plus en plus dans l'aménagement de bassins, quoi, paysager. Quoi. C'est ça. Bassin uniquement, piscine aussi ? Non, pas de piscine, du bassin. Du bassin. Chacun son métier. Voilà. Alors, bassin paysager, mais voilà. Ça peut aussi bassin aquatique. Ici, on a un bel exemple de bassin paysager, on va dire. Voilà, complètement, ouais, différents volumes pour permettre différents budgets, quoi. C'est ça, voilà, donc voilà, un petit peu pour rendre les choses accessibles à tout le monde. Voilà, tout à fait, que chacun puisse avoir son bout de bassin, son bruit d'eau chez soi, à différents budgets, simplement, quoi. Alors, bon, Didier, bon, toi, tu ne fais pas de bassin, hein, donc... C'est une collaboration ici, hein. Donc voilà. Si quelqu'un demande de faire un bassin, bon, il a deux mains gauche et un pied droit, bon, ça ne va pas le faire. Donc il peut s'adresser quand même à toi, même si tu n'en fais pas, tu as la collaboration ici avec Vincent, voilà. Qui peut réaliser ça sans problème. Oui, oui, donc avec Vincent, donc, quand il a besoin de conseils techniques pour de la filtration et mise en route de bassins, donc on travaille ensemble. Et tout ce qui est fabrication, conception, c'est son domaine. Bon, après, tu suis un peu le chantier ? Évidemment. Voilà. Donc, pas de problème, vous voulez un bassin dans la région ici, ben, c'est possible. Oui, oui, complètement. De A à Z. De A à Z, puis même de poissons, mais ça, c'est pas possible chez Vincent. Non, les poissons, c'est chez quoi, Aquarev. Chacun son truc, hein. Chacun son métier, les vaches sont bien gardées. C'est ça. Bon, là, tu as un petit accident. Voilà, moi, c'est rien, moi, je vais m'en remettre. Hein, mais... Alors voilà, bon, ben, bientôt, tu vas recommencer à creuser. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a mes équipes aussi qui sont là, de professionnels paysagistes, qui sont là aussi pour faire ce que je peux pas faire non plus, quoi. Donc, d'accord, ben, ça, c'est intéressant à savoir, parce que tu n'es pas tout seul. Non, on est quatre actuellement, et je recherche encore justement un paysagiste de façon à développer davantage le bassin, parce que j'ai de plus en plus de demandes aussi, surtout pour l'année prochaine, j'ai peut-être aussi deux bassins déjà de vendus, donc à voir, à étudier encore, et c'est pour ça qu'on étudie avec Didier pour mettre en face une filtration qui correspond au budget du client et la qualité de son eau qu'il veut, avec les poissons différents. Et Didier est là, toutes ses compétences, qui est très important pour nous, quoi. Je m'appuie sur Didier vraiment pour tout ce côté-là, quoi. C'est ça. Alors bon, ben voilà, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes paysagiste. Voilà, oui. On peut s'adresser à Vincent. Voilà, complètement, à La Selle-sur-Loire.
n'y a pas de problème. Quoi. Bon, vous en avez marre de presser du raisin, bah, vous pouvez creuser du bassin, c'est exactement, presque la même chose. Exactement, oui, c'est pas la même chose, mais enfin, il y a beaucoup de rapports en commun. Remarque, pour mettre de la vigne, il faut quand même un jour creuser. Exactement, ça commence par ça. Ça commence par ça. Tout à un début. Et bon, moi je constate que pour un début, c'est très bien réussi. Donc un beau petit bassin paysager ici, quelques cueilles dedans. Voilà, bon, il y a tout ce qu'il faut pour les garder en bon état. Belle petite filtration. Oui, on a mis la filtration qui correspond à la qualité d'eau recherchée. Et moi j'aime bien les belles choses et la qualité surtout. Alors, qu'est-ce que tu as proposé ici? Alors là, ici, on est sur le premier bassin donc, de 25 mètres cubes. On a une bombe de fond, skimmer, filtre à grille, superbed et multichambre en tapis japonais. C'est ça. Bon, on a tout ce qu'il faut pour que ça tourne. Voilà. C'est ce qu'il fallait pour l'eau qui voulait sa demande. Après, sur le deuxième bassin qui est de 4 mètres cubes, on a un plus petit multichambre, pareil, en pompage. Alors, ben voilà. Ben vous savez ce qu'il reste à vous faire, hein. Vous avez envie d'avoir un beau bassin chez vous. Je rappelle quand même que c'est très important, et je pense Vincent que tu seras d'accord avec moi, un beau bassin ne peut être un beau bassin que s'il est dans un beau jardin. Complètement, ouais, ouais. Et le professionnel qui va en face. Quoi. Exactement, donc, eh bien voilà, pour faire simple, on ne va pas vous donner toutes les coordonnées de Vincent, mais adressez-vous à Didier, voilà. On rappelle Aquarève. www.aquarèvebassin et je vous donnerai les coordonnées de Vincent. Allez, moi il me reste à vous dire, ben, n'hésitez pas à contacter Didier, et en attendant, surtout, ne soyez pas sages, salut à tous.